Ça m'arrange pas là. Ok, allons voir. Oh yes, on va pouvoir level up. La bougie de du ciel. Ok, officiellement premier cap de level. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une plaisanterie. Ah, t'es marrante! Allez, marrante! Le chemin est parsemé de monuments à la gloire de je sais pas quoi. Je pourrais détendre l'atmosphère. Ok, ouais, t'as pas d'humour, ouais, effectivement. Autrement, j'ai connu un homme qui avait reçu le sacrement des cendres. Il riait tout le temps. Elle nous raconte sa vie, elle. Voilà, maintenant je radote comme une vieille bique. Vous êtes revenu pour me. Pour une gorgée, c'est ça? Toi aussi, t'aimes bien quand je t'apporte une gorgée, c'est ça? Hé! Moi aussi je fais des blagues, écoute ça! Regarde comme je suis tout dur. Ah, c'est marrant, non? Bois le goudron, bah bien sûr. Ok. Bois le goudron divin. Bah non. Je bois pas ton goudron comme ça, meuf, on se connaît pas assez. Ok, vous devez découvrir le nom de l'enveloppe pour éveiller le pouvoir. Arros le vassal. Les brigands nous ont montré le chemin du temple, rejeté par les adeptes. Leur allégeance va à ceux qui leur offrent du goudron ou des spiritueux. Ils se divertissent par les singeries avérées ou par des actes cruels et violents. Ils savent qu'il ne vaut mieux pas nous attaquer. Mais ils nous ont suivis à distance, espérant ramasser les miettes. Oh, ça coûte tout ça? Par contre, j'aimerais bien avoir l'autre armure, moi. Celle qui a masse de stamina, tu vois. Pas beaucoup de vie, mais beaucoup de stam. Je l'ai pas possédé, l'armure. Ça sert à rien, ce que je fais. Salut. Il y a une mouboute à gauche. C'est quoi? C'est un mob? Ah non, c'est un buisson. Oh. Oh, oh, oh. Billy, calme-toi, Billy. On va l'appeler Billy. Aïe, 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 aïe. Billy, calme-toi. Ça fait mal, quand même. Oh, ils prennent des sales claquades hein, quand même. Et là je vais tomber sur un mob que j'ai pas encore vu, qui va m'en mettre une 10 fois plus violente. Ils sont stylés les mobs hein, quand même, y'a pas à chier hein. Putain de bordel. Oh. Ouah, ils sont vénères hein. Certains mobs sont quand même assez vénères hein. Non mais attends, il fait mal. Calme-toi quand même, Jean-Pierre. On récupère de la vie, hein, les gars. On récupère de la vie comme on peut. Hein. Ouvrir la porte. Monument des cendres. Ah non, non. Viens l'eau. Non, inutile. Oh, je vais péter ton bouclier. Ouah, mais calme-toi. Bam! Bam! Oh là 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 là! Non, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, vraiment. Crève! Et les lueurs, je sais toujours pas comment les obtenir. Hein. Je vais essayer d'en paradin là. Le problème, c'est que je fais de la merde. Putain, vas-y, je fais nimp. Écoutez, c'est le genre de jeu dans lequel il faut expérimenter, d'accord? Je viens d'expérimenter une énorme connerie! Faut taper dans le bouclier, après il a plus de protect. Je vais mourir. Je suis parti! Ok, bon, je suis à walper, hein. On y retourne. Allô, mon armure.
Allô ? Allô, mon armure ? Si je parle à la demoiselle pour voir, elle va me la rendre, non ? Vous êtes Candide, enfant de la Providence. Nu, comme un nouveau-né. Ah, Walpec, la bite à l'air ! Et en un sens, tout aussi fragile, solitaire, tout comme moi. Ça, là, on est en train de faire une avance, là. Lorsque vous trouvez une enveloppe mortelle, guidez-la jusqu'à moi. Ensemble, nous entreapercevons ce... C'est deux des humains. Allô, mon armure, là ? Gozo. Non, faut pas manger le papier. J'ai cru que j'allais le prendre dans la tête celui-là. T'es mort ! Qu'est-ce que tu fais ? Il vient de se passer quoi là ? Hey, équipé masse ardente ? J'ai gagné l'arme du boss. Mais puis regarde ! Regarde ! Elle est belle ou pas ? On dirait une grande cigarette. Ouais. Oh ! J'ai OS son bouclier, les mecs. Là, je prends super cher en vrai. Comment tu veux que je fasse ça, moi ? Bon. Mais arrête ! Mais ça pique quand même, là ! Voilà. T'as vu, je fais des yu-yu. Voilà. Regarde, il arrive, il est énervé. Oh putain ! Oh là là ! Oh, ces mouvements de jambes, ça m'excite très presque. Oh. Mais arrête ! Depuis quand ? Il tape ce bâtard, il tape hein. Mais tu veux que je fasse comment, putain ? Eh merde, j'ai rebaissé mon armure. En fait, le problème c'est que je recule jusqu'à la porte et à chaque fois ça me porte clairement préjudice ce truc. Alors par contre, est-ce que du coup je me suis indiqué mon armure comme ça ? Et regarde, mon armure est plus là. Meurs, peut-être que ça te la redonnera, c'était comme ça tout à l'heure. Non mais je vais sortir de là surtout. Je vais essayer de revenir quand j'aurai peut-être un peu plus de force ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est le bon plan d'y aller ici pour l'instant. Imagine que ça doit être un bug. Bah ouais, parce que là je vois pas comment réobtenir ça en fait. En mourant, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai mon armure. Non seulement j'ai mon armure, mais en plus de ça j'ai mes lueurs. Non bah je pense que c'est pas prévu. Très sincèrement je pense que c'est pas prévu. Ah oui, effectivement il y a un petit loot dessus ouais. Ah mais c'est une lueur en fait. Les lueurs se récupèrent au sol. C'est un loot la lueur. Putain ok. Bon du coup on avait un passage ici. T'inquiète. Attends, on va revoir les lueurs. On va surtout dépenser les âmes. Vas-y, donne-moi ton goudron divin, j'adore ça. Tuer deux ennemis rapidement, réinitialise le temps de récupération de la forme endurcie. Et ça, c'est quoi ? Accumuler ces... En ramassant une lueur, vous avez une chance de regagner de la santé. Oh, mais ça, c'est très bien, par contre. Oh, vas-y, tu sais quoi, je vais la prendre quand même. Je vais quand même prendre la petite amélioration, c'est toujours ça de prix, quoi. Vas-y, j'ai envie de tenter de dégringuer le mob là-bas. Hey Billy! It's time to die! Oh, oh putain, Grisha! Hey! C'est les bugs de neuf, non? Oh, il est vénère un peu, non? Oh! Mec, je l'ai bloqué sans faire exprès!
Ah non! J'avais réussi à le niquer sans faire exprès! En fait, il a quand même un rythme d'attaque soutenu, tu vois, ce mob. Ok. Chaud, hein. En fait, j'essaie de le... Non, mon armure, putain. Je pouvais pas la prendre. Le mob était dessus et du coup j'avais pas l'option pour la prendre. Ta race de pute. Alright. Come on, baby. Come on. Tente des bouffes, tu vois, pour reprendre de la vie, mais c'est trop risqué, quoi. Pas passer. Putain! Oh, c'est rageant quand je me rate sur les attaques comme ça. Et là, je suis niqué. Donne-moi mon armure. Putain, merde. Alors, ce qui est con, c'est que le timing était bon cette fois. Là, tu vois, je l'ai eu mon timing, bordel. Culé. Je suis mort. Putain! Wow. Non. Wouh. Wait. Ouais. Oh, il m'a donné 6 lueurs directes. T'es obligé de l'ouvrir comme ça ton truc, t'es énervé toi. Tu sais que t'as un système, ça s'appelle des mains avec des doigts. Système de la poignée, ouverture. Bon, par contre, les champignons, ça commence à puer cette affaire. Hein. Ah. Attends, je vais pas enchaîner sur un deuxième boss quand même. Non, mais il est en train de bouffer un bras. Hein. D'ailleurs, un bras qui bouge indépendamment de ses bras. C'est très bizarre à expliquer ce que je viens de dire là. Et voilà, c'est ça, Poison Man. On fout, j'ai eu le boss. J'en ai rien à foutre, j'ai eu le boss. Je vais le défoncer. Tu cette merde, DJ. Ouais, je vais le défoncer, ouais. Ah, comme ça. Ah, t'as kiffé, hein. Saleté, va. Alors. Tu veux quoi, maintenant? Ah bah, tu veux rien, t'es mort. Tu veux plus rien. Ah non, c'est pas l'armure que je croyais. Oh, stylé. Stylé, nouvelle armure, les amis. Oui. Qu'est-ce que c'est? Enveloppe inconnue. Et elle a quoi comme particularité? On va tout simplement regarder les stats de l'enveloppe. Tiens, quand tu regardes, l'enveloppe inconnue, est-ce qu'on a les statistiques qui apparaissent? Alors, meilleure durabilité, moyenne endurance et très bonne détermination. C'est quoi sur la détermination? Il veut du pain? Vas-y, ramène-toi, un par un.
Franchement, eux, ça va. Ça commence à aller vraiment bien, ces mobs-là. Détermination, c'est la barre qui te permet de faire des attaques spéciales. Le contre pour le heal. Et le contre pour te heal, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, ça veut dire que cette armure m'apporte plus de possibilités de contrer, quoi. Donc en fait c'est pas que ça m'en donne plus, c'est que ça m'en donne un de plus surtout. C'est pas que ça m'apporte plus facilement le remplissage des barres, mais ça m'en donne une en tout, une de plus de... Oh. Je me suis compris, ok? Come on! Ok. Non putain! Ma guidance me tuera! Bam! Alors! Dis donc, cette zone a l'air magnifique! Cette zone a l'air putain de belle! Je connais pas cette zone, hein. Je suis à deux boss pour l'instant. Franchement, cet endroit, je le trouve trop beau. J'ai cru que je m'étais bloqué. J'ai vraiment cru que je m'étais bloqué. Ok, là, il y a un truc. Oh! Nouvelle armure? Oh! Elle a l'air trop belle! Oh, stylé! Ah ouais! Ah ouais! Oh! Mat la gueule! Oh, la barre de vie! Ah ouais, c'est plus une barre de vie là, c'est Ah si, c'est une barre de vie, si. Regarde comme je suis tout dur. Ukito. Échanger. Effigie de Haros, Salomon et Aderne. Ah, on peut changer d'armure comme ça, d'accord. Je me posais justement la question, comment on fait pour changer d'armure à volonté? Bah en fait, c'est pas à volonté. Ok, elle vend des effigies en fait. T'es Madame Effigie, tu parles pas, t'as juste un masque rouge et tu fermes ta gueule quoi. C'est sympa, t'as l'air sympa comme meuf. Bon, lui, je le sens pas. Je sens qu'il va vraiment me casser la gueule, lui. Mais je connais pas tes attaques, laisse-moi attendre. Ouais. Ouais, il tape très fort. Dis donc, ça a l'air d'être de la merde cette zone. Tu sens le genre de zone où tu te casses la gueule vite fait, bien fait? Oh là, t'es incrustée dans le mur, elle. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, tu t'es pris pour un papier peint. Donjon. Oh, donjon, ça. It smells bad, the dungeon.